Hello tout le monde, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, je voulais faire une petite vidéo un peu pour donner quelques nouvelles de la chaîne, car vous avez vu que ça fait plus d'un mois que je n'ai posté aucune vidéo jusqu'à présent, donc j'ai pas de texte, je sais pas dans quelle direction va aller cette vidéo. Je voulais juste un peu vous faire part de mon ressenti un peu sur la chaîne depuis le début et surtout ce qui va se passer par la suite, car il y a eu plutôt de gros changements dans ma vie actuellement. Alors faut savoir que la chaîne, elle a été créée il y a à peu près maintenant 4 ans, en octobre 2016 de mémoire. Il y a 4 ans, il y a plus de 4 ans, il y a 3 ans, il y a plus de 3 ans, je sais pas calculer en fait. Il y a plus de 3 ans, voilà. Elle a été créée il y a plus de 3 ans actuellement, et pour le coup, vu le parcours que j'ai eu et tout, bah c'est sûr que la chaîne, elle est pas grosse. Hein, pour le coup, elle est pas immense. Mais mon but c'était pas d'avoir une énorme communauté, pour le coup ça m'aurait fait plus chier qu'autre chose d'avoir 1 million de personnes à gérer. 400 c'est pas mal, et puis je vous avoue que c'est juste pour mon plaisir personnel que je fais ça. Donc en termes de nombre d'abonnés ou quoi, en 3 ans et demi à peu près, arrivé à 420 vous êtes actuellement, donc on est le 8 mars 2020, vous êtes à peu près 420, franchement genre ça me va énormément. Pour le coup, et puis je vois qu'il y a quand même une dizaine de personnes genre qui regardent chacune des vidéos. Il y en a après plus d'une centaine qui regardent un peu les vidéos comme ça, quand je suis vraiment face caméra à vous parler. Du coup, franchement, genre, je considère vraiment pas ça comme un échec, mais plus comme un truc normal, étant donné que je m'investis pas à 100%. Vous avez vu que parfois, en été, il y avait des pauses de 2 mois, en hiver, il y avait des pauses d'1 mois et demi. Enfin bref, je suis vraiment pas régulier en termes de vidéos, je fais pas du contenu approprié pour tout le monde, donc forcément. On a un nombre d'abonnés comme ça sur la chaîne et c'est absolument normal. Et merci en tout cas à ceux qui regardent les vidéos et surtout à ceux qui simplement découvrent la chaîne actuellement et surtout ceux qui prennent le temps simplement d'interagir avec moi. Et je voulais aborder un autre point, beaucoup qui consiste à le contenu que je propose à vous les viewers. Vous avez vu qu'il n'y a que du let's play pour le coup depuis maintenant plus d'un an. Plus d'un an, il y a que du let's play sur ma chaîne, c'est-à-dire je me fais pas chier à écrire des vidéos et tout, puis à vous les tourner. J'en ai écrit une, pour le coup, que j'avais tournée en début d'année, mais le rendu m'allait pas, du coup, faut que je la retourne. J'en avais écrit une, c'était une sorte de petit podcast sur mon pire vol, parce que j'ai pris pas mal de fois l'avion dans ma vie, notamment il y a un vol quand je suis allé à Québec qui m'a énormément mais cassé les couilles. Du coup, je voulais vous faire une vidéo tout simplement sur ça. Je l'ai faite, je l'ai montée, je l'ai regardée, je me suis dit c'est de la merde. Du coup j'ai supprimé. Donc bon, faudrait que je vous retourne tout ça, parce que j'ai encore le script et tout, il est sur ma PS3 d'ailleurs. Et donc il n'y a que des let's play, ce sont des vidéos de plus de 40 minutes, c'est énorme, 40 minutes aujourd'hui sur YouTube. Ça ne l'était pas avant, je me rappelle quand je regardais YouTube en 2012-2013, quand je regardais des let's play qui duraient 1h20, 1h40, 2h, la vidéo. Je l'ai regardé, pour le coup, aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps, n'ont plus la patience pour ça. Et c'est vrai que dans ce YouTube, je me retrouve pas trop, moi, en tant que let's player, pour le coup, parce que genre, vraiment commenter des jeux, ça me plaît énormément. J'ai envie de faire que ça, pour le coup, que du commentaire de jeux vidéo, mais malheureusement, c'est pas adapté aujourd'hui pour la plateforme YouTube, c'est plus adapté pour les streams. Par exemple, et ça, je vais en venir par la suite de la vidéo. Et du coup, voilà, donc le contenu aussi que je propose n'est peut-être pas approprié au YouTube actuel. Parce que quand je vois qu'il y a des vidéos qui durent 40 minutes, qui sont ultra bien travaillées sur n'importe quel sujet, pour le coup, qui font 10 000, 50 000 vues, et puis d'autres où tu vois, je mange comme ça pendant 24 heures, je chie bleu pendant 24 heures, je pisse jaune pendant 24 heures, genre, et tu vois, ça fait 10 millions de vues en mode. Intéressant! Du coup, je me retrouve pas trop dans ce YouTube actuel, donc c'est normal aussi le nombre d'abonnés, le nombre de vues que je fais ou quoi. Pour le coup, mon commentary n'est absolument pas excellent. Je prends du plaisir à le faire, mais il est nul à chier. Ma manière de jouer, je suis un casual gamer, ça je le sais aussi. Donc forcément, ça impacte. Du coup, tout ça impacte sur le fait que la chaîne va pas trop loin. Mais surtout, je voulais vous parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement, parce que c'est vrai que. J'ai monté des vidéos, il y a des vidéos qui sont prêtes à envoyer, mais je les ai pas postées. Ça fait maintenant plus de 2 mois que je n'ai pas fait de stream. Du coup, ce qui me manque pas mal, hein, on va pas se cacher. Ça fait
plus d'un mois donc j'ai pas posté de vidéo tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis jeune, je suis très jeune, j'ai une vie active pas ouf, qui consiste à aller en cours, voir mes potes, voir ma chérie, voir ma famille. Et il faut savoir que les cours, genre, ça te prend plus ou moins de place dans ton emploi du temps. Et en l'occurrence, là, ça a pris énormément de place. Faut savoir que je suis en master de chimie et j'ai envie de faire une thèse plus tard. Du coup, il me faut des bonnes notes. Il faut m'engager dans mon travail. Il faut que je rende des trucs chaque semaine pour montrer que je travaille bien, tout simplement. Et surtout, il y a des partiels à passer. Donc, la semaine de partiel, c'était la semaine dernière. Je pense à l'heure où vous voyez la vidéo. Enfin, je pense que la vidéo, je la posterai le 10 mars par là. C'était la semaine dernière. Il y a 2 semaines, je faisais mes révisions d'examen. Il y a 3 semaines, on avait tous les cours qui arrivaient dans notre gueule. Il y a 4 semaines, pareil. Il y a 5 semaines, j'avais la flemme de faire des vidéos, tout simplement. Genre, j'en avais plus envie. Et du coup voilà, donc le volume horaire qui augmente au niveau des cours fait que j'ai plus le temps de tourner de vidéos ou quoi, parce que YouTube, comme vous l'avez sûrement compris, c'est plus... C'est pas une passion, du coup c'est plus un passe-temps. C'est pour ça que je monétise aucune vidéo. J'ai reçu des trucs fake aussi des annonceurs, genre qui voulaient faire des partenariats avec moi, C'est des trucs fake, hein, juste pour vous plumer. Du coup, j'en ai vu beaucoup sur YouTube, genre je me suis quand même renseigné de mon côté en background. Et c'est vrai que bah c'est de la merde, du coup je ne voyais pas vous le proposer, genre surtout que c'est débile parce que j'aurais pu gagner de l'argent, mais d'ailleurs vous genre ça vous aurait plumé plus qu'autre chose, donc c'est débile. Genre, on va pas aller dans ce sens-là, surtout que je suis là pour gagner de la thune. Mais du coup voilà, donc le volume horaire qui fait que je peux plus vous tourner de vidéos. Faut savoir aussi que j'adore voyager. Beaucoup et que mes études se passent en ce moment à moi la moitié du temps à l'étranger. En l'occurrence, je vais partir 4 mois en Floride. Oui, merci, vous pouvez me féliciter dans les commentaires. Non, je vais partir 4 mois tout simplement en Floride pour bosser dans un laboratoire. Donc, étant donné que c'est 4 mois, je vais pas amener mon setup que j'ai actuellement. J'aurai juste mon ordinateur portable, mon casque. À la rigueur, je pourrais faire des streams si la connexion est pas trop mauvaise. Je pourrais vous tourner des vidéos sur mon PC, mais j'aurai aucune console donc. Les SP actuellement qu'on a du style Zelda Twilight Princess et God of War, je suis sûr qu'il y aura pas de vidéo dessus pour l'instant. Je sais même pas si on aura plus tard, mais du coup voilà, genre ça va être compliqué de poster des vidéos Let's Play pendant ce temps-là, et surtout comme je travaillerai toute la semaine et que je serai dans un pays étranger, j'aurai envie d'en profiter, donc sûrement que la pause d'un mois pourrait se transformer en plus de 4 mois et demi, 5 mois. Je reviendrai en été, je partirai à Londres pendant un mois. Du coup, pareil, j'aurai pas de setup. Du coup, la pause de 5 mois se transformera en 6 mois. Ça commence à faire, on va pas se cacher. Et après, je reprendrai, mais voilà. Ce qui se pose, c'est que je serai en Master 2. Master 2, tu bosses 3 fois plus qu'au Master 1. Déjà que j'arrivais mal à tenir le rythme des cours et des vidéos, c'est compliqué. Du coup, voilà, surtout qu'ensuite, je partirai 6 mois. Encore une fois, en stage, je ne sais pas où j'irai, je ne sais pas où je serai. Ce sera peut-être pas dans ma ville actuelle, ce sera peut-être au Japon, peut-être en Amérique, peut-être autre part, je ne sais pas. Du coup, une pause qui devait durer un mois va durer plus de 6 mois déjà. Et cette pause de plus de 6 mois risque de durer plus d'un an. Du coup voilà, donc en termes de... Tiens, il y a la voisine qui nettoie son balcon. Ah non, elle nettoie ses gants sur son balcon. Intéressant. Du coup, voilà, en termes de vidéo, il n'y aura aucune production de ma part. Donc ça, je sachiez. Hein, ça ne veut pas dire une fin de chaîne, ça ne veut pas dire que vous verrez pas des petites vidéos passer. Mais des vidéos sur les let's play actuels, non. Non, pas du tout en fait. Pour le coup, on va pas être sur une base de je fais des vidéos sur la PS4 et sur la Wii U, étant donné que je ne les aurai pas avec moi. Des let's play sur ordinateur, j'en ai une chie à vous proposer. Pour le coup, j'ai pas acheté, mais genre avec Epic Games, comme chaque semaine, il y a des jeux gratuits. J'en ai plein. Je me suis même acheté des jeux sur PC et tout. Du coup, vous faire des let's play sur PC, c'est possible si j'ai le temps, encore une fois. Hein. Tout se voit par rapport au temps.
Et du coup, voilà, donc en termes de vidéos, c'est là où je voulais en venir. En termes de communauté aussi, j'ai rencontré des gens super sympas, pour le coup, grâce à YouTube. Genre, il y a des amitiés que je pensais pas qu'ils pouvaient se créer, qui se sont créées. J'ai aussi, il y a 2 ans et demi maintenant, peut-être 3 ans, ouvert mon Discord. Donc, l'ITA Discord. Ou qui était très actif, genre pendant 1 an et demi, il fut ultra actif et c'était juste un pur bonheur, un pur plaisir. Je faisais en live, vous venez me rejoindre dans les salons, on papotait, parfois on partait sur des events et tout, j'invitais les gens sur dans les salons, enfin, j'invitais les gens aussi pour tourner tout simplement des séries, quoi, genre entière. C'était cool, genre c'était vraiment cool, sauf que pareil, genre avec le manque de temps, avec le manque de motivation et tout, et comme YouTube c'est qu'un passe-temps. J'ai entièrement délaissé ce Discord d'ailleurs, j'en ai encore plus de 90 personnes dessus. Je suis surpris, merci beaucoup d'être resté pour ceux qui écoutent la vidéo et qui y sont. J'avais vraiment pour projet de faire quelque chose de gros sur ce Discord, mais je ne maîtrise pas bien Discord. Pour le coup, j'ai pas le temps de gérer le Discord. C'était peut-être un peu trop tôt pour ouvrir un Discord ou quoi. Et surtout, j'ai pas le temps de jouer avec vous en fait. C'est les seules parties, les seules games que je fais, c'est avec Cytorax. On se retrouve une fois par soir, on se fait juste une game de CS pour se détendre. Après, moi je retourne bosser. Et quoi d'autre? Néanmoins, la seule bonne nouvelle en fait que je peux vraiment vous apporter là, c'est que, bah, même si je suis loin de YouTube, je reste dans le monde des jeux vidéo parce qu'actuellement. Je travaille sur un projet à très très grande envergure, si je puis dire. Je suis très content de faire partie de ce projet. Du coup, vous verrez par la suite ce que ça sera. C'est pour vous, hein, clairement. C'est pour vous qu'on fait ça. Donc voilà, je peux pas dire le nom du jeu, je peux pas en dire plus, je peux pas dire ce que je fais dessus. J'ai des clauses de confidentialité assez grandes, mais il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Donc c'est cool, je sais pas quand ça sortira non plus, pour qu'on n'a pas de date de sortie. Actuellement on est sur une bonne phase donc ça va. Mais du coup voilà. Donc on est quand même en train de vous préparer des trucs. C'est j'arrive un peu à travailler sur encore les jeux vidéo, donc ça je suis content. Et du coup voilà, après je voulais en venir quoi? Ouais, sur ma chaîne Twitch, j'ai fait pas mal de lives, genre j'ai fait Kingdom Hearts 1 en entier en let's play, genre il m'a juste le boss final à faire. C'était cool, genre gros gros plaisir à faire. Pareil, j'avais fait du Shiny Hunting, il y avait pas mal de personnes sur les premiers lives, j'étais vraiment content. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je remarque, comme je vous disais en début de vidéo, le stream est beaucoup plus adapté pour moi aujourd'hui. Parce que des vidéos longues, des vidéos où je peux commenter, des moments où je peux commenter tout simplement les jeux vidéo. Interagir avec vous, c'est exactement ça que je voulais. Le seul problème du stream, malheureusement, si vous voulez combiner tout ça, c'est qu'il faut faire sur des horaires où les gens ne travaillent pas, où les gens sont susceptibles d'être, c'est-à-dire les bonnes horaires, c'est entre 18h et 21h, surtout moi, sauf que moi, entre 18h et 21h, je suis soit en train de manger, soit en train de bosser, soit en train de sortir. Du coup, c'est compliqué aussi de s'en sortir bien comme il faut sur Twitch. Je fais partie d'une web TV, le coin du stream, qui. Je connais quelques personnes, genre ça va, on s'entend bien. Qui est pas forcément super active, mais chacun de notre côté, on est cool. Du coup, je vous donnerai le. Genre, dans la description, il y aura le lien de la web TV. Il y a des streamers vraiment sympas pour le coup. Genre, j'en ai vu pas mal, ils sont vraiment cool. Et du coup, là, c'est un peu la plateforme où vous êtes le plus. Propice à me trouver en fait actuellement. Là, je pense d'ailleurs ce soir je vais faire un live, demain aussi, pour le coup. Et parce que ça me permet de me détendre, ça permet aussi de faire ce que je veux exactement sur les jeux vidéo. Mais du coup, voilà. Et c'est vrai que la chaîne YouTube, je vais clairement la laisser en stand-by pour l'instant. Et je vois même la possibilité de décaler l'entièreté de mes let's play sur la chaîne Twitch, tout simplement parce que. Pas de montage, j'ai pas le temps de faire du montage aussi. Ouais, c'est aussi, il y a ça à prendre en compte, c'est que j'ai en soi, j'aurais peut-être le temps, tu vois, dans les vidéos si je me prenais pas à ma séance du soir pour jouer avec Cito. Genre, je pourrais tourner la vidéo, mais j'ai pas le temps de la monter, j'ai pas le temps de
simplement de me prendre, de prendre 40 minutes, 1 heure sur du montage. J'aurais essayé que tout soit nickel pour vous, et ensuite de la lancer. Genre, j'ai clairement pas le temps. Et puis voilà, genre, c'est pas une vidéo folle, genre. Clairement, c'était juste vraiment pour vous tenir au courant, en toute sincérité. Du coup, faites voir, j'ai passé quoi? J'ai passé la chaîne YouTube en revue, c'est bon. D'ailleurs, j'ai. Pour les parlons peu, parlons bien. C'est cool, j'aime vraiment faire ce format. Genre, il n'y a eu que 3 épisodes. Mais je suis trop fier, genre, de ces épisodes. C'est tout con parce que j'ai vraiment une petite notoriété. Et genre, ça touche pas beaucoup de monde. Mais je me considère comme, entre guillemets, avec expérience, assez d'expérience sur certains domaines pour vous en parler concrètement. Et surtout, vous donner mon opinion, ayant déjà vécu certaines scènes. Ou quoi, donc franchement, et c'était aussi un moyen pour moi de me libérer un peu d'un poids, parce que genre en parler parfois ça fait du bien. Du coup, je vous. Si jamais, genre, vous voulez reproposer des sujets, peut-être que j'aurai le temps de vous les faire ou pas. Et puis voilà, donc YouTube c'est fait, Twitch j'en ai parlé, il y aura aussi ma chaîne Twitch dans la description. Dans la vie de tous les jours, ouais, de quoi je vais partir, ça je vous en ai parlé. Projet, je vous en ai parlé. Discord. Je vous en ai parlé aussi. Du coup voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en termes de vidéos, il n'y en aura pas beaucoup, beaucoup, voire quasiment plus sur la chaîne pendant bien un an et demi. Genre, je pourrais pas être régulier comme je l'ai été à une époque. À un moment, je vous rappelle quand même qu'en 2017, j'en sortais 2 par jour. 2 par jour, c'est énorme. C'est vraiment énorme parce que j'étais en L1. Je passais L2, du coup j'avais pas trop de boulot, j'ai jamais eu trop à bosser en soi dans les études, donc j'avais le temps. Je vous tournais les vidéos à 2h, 3h du matin, je m'en foutais parce que derrière je pouvais faire une grasse mat. Je pouvais aussi du coup voir ma chérie parce que je tournais les vidéos la nuit, du coup ça allait. Je pouvais voir ma famille, pareil parce que je tournais les vidéos, je faisais le montage la nuit, donc c'était bien. Mais là, je suis arrivé à un stade où je peux pas me le permettre, tout simplement. J'ai pris une autre voie, genre vraiment les études. Du coup, j'ai que ça à la bouche pour l'instant. Mais derrière, si. Du coup, pourquoi pas mêler l'utile à l'agréable? Pourquoi pas vous faire des vidéos sur ce que je fais en soi, vous montrer des trucs que je fais qui sont énormes. Genre, pour le coup, parce qu'en chimie, tu fais des trucs vraiment incroyables qui m'éclatent. C'est dingue. Peut-être vous expliquer aussi certains phénomènes ou quoi, un peu à la Dr. Nozman ou Dirty Biology, si je puis dire. Et du coup, voilà, c'est un peu pour vous donner des nouvelles. Ça fait combien de minutes que je parle? Putain, ça fait 18 minutes que je parle, genre, what the fuck? C'est. Voilà, c'est bien. Derrière, si jamais. J'envoie un petit appel. Si jamais vous connaissez des gens qui veulent faire du doublage, pour le coup, vidéo. Et que je peux aider ou quoi, genre ça serait vraiment cool parce que j'ai bien envie de m'entraîner à doubler ou quoi. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup pour le coup. Je dis pas que ma voix se prête du tout au montage, oh, au doublage, pardon, mais je sais pas, j'ai envie de tester ça. Du coup, s'il y en a qui recherchent des bénévoles, des figurants ou quoi, pour certains rôles, bah n'hésitez pas ou quoi, donnez mon nom, ma chaîne et tout, je suis. Contactable sur Discord, de toute manière vous avez bien vu pour ceux qui me parlent souvent, genre je suis là, je réponds quand j'ai le temps pour le coup. Et du coup voilà, donc pour le Discord je vais essayer quand même de le rendre un peu plus actif en essayant de lancer des sujets de conversation, en essayant de lancer des sessions de jeu ou quoi. Pour le coup, je promets rien parce qu'après on aura 6 heures de décalage encore une fois. Mais voilà, après ce qu'il faut retenir, chaîne YouTube, il n'y aura pas trop de vidéos. Chaîne Twitch, je serai peut-être plus présent. Et à l'avenir, c'est peut-être sur la seule plateforme où je serai. Et du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Je pense qu'il y aura quelques cuts parfois et tout, mais je ne sais pas parce que c'était vraiment une vidéo à cœur ouvert. Et puis voilà, et juste pour info, ceux qui me donnaient 28, 30 ans, j'ai 20 ans. Allez, salut, à la prochaine!